Bonjour tout le monde, c'est Deadshot pour la cinquième partie de Doom 3 sur PC de la difficulté vétéran. Donnez-moi deux petites secondes, je vais manger quelque chose. Chat, ok, good. Et on continue. J'ai pogné la chainsaw. J'ai pogné. Quelle autre arme que j'ai pogné? Je ne me souviens plus vraiment. On a tué bien des monstres. Donc, on a cancel le message. You have just violated a direct order. Get your ass back to that console and send that transmission. This is your last chance to get out. Je sais plus où aller. Present lobby and head for the memorial for the monorail station. Tester mon chat, voir s'il fonctionne. Oui, good. Thank you.
peut-être c'est une arme différente. On va aller voir au garage. Une chose pour que je check encore une fois, c'est mon. OBS. Comme ça. Magnifique. Mon chat, il bug encore. Je vais retourner au lobby. Il me semble que le lobby c'est un accueil, ça serait pas au premier étage ça. Thank you.
je suis toujours au deuxième étage. Il semble qu'un monorail, il faudrait que ça soit en bas, pas en haut. Moi, c'est au troisième étage. Bon. Faire quoi, je vais me jumper dans la face, dans le dos, hein?
Oh shit! Oh. On l'a voir dessus. Là qui est mort.
Warning. Flow control system failure. Toxins identified. Execute cleanup procedure. C'est pas de la belle toxine, ça. Je commence à avoir besoin de plus de vie, là. On va voir qu'est-ce qu'il y a par là. This is the audio log of Nicholas Edgeway, member of UAC Mars Hazmat Response Team, dated October 1st, 2145. We have concluded that the Martian atmosphere is wreaking havoc on the exhaust valve seals in the standard number 5 disposal grabs. The engineers cannot explain the high level of contaminants in our internal atmosphere. Air scrubbers and filtration systems all seem to be operating at normal levels, yet a small layer of particulate is making it into the storage areas. That is what caused the lockdown yesterday. EAP Director Charles Hollis informs me that the personnel won't be harmed by these contaminants in the air, but we've seen that they do cause a corrosive reaction when introduced to the rubber compounds used in the storage systems. Effective immediately, all number 5 disposal drums must be locked away in at least a class 2 rated transport medium. Assessment ends. Attendez ça. Station shut down. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Broken, non.
Oh. Thank you.
Rocket launcher! Bon, on a airlock, on retourne dehors. Et tabac. Elle peut pas courir. Oh. Oh. Are we? And in such a hurry to find us, to find me. There's no need to rush. I am everywhere, and everything here is mine. It's a pity you did not alert the fleet, but it is of no consequence. I'll alert them myself. They will come to the rescue and be consumed by my legion. We will use their ships to bring this hell to Earth. You won't live to see it.
and you will die long before you have a chance to warn them. System offline. Toxicity level increasing. There's nothing left for you but a slow death as your lungs fill with toxic gases. Come on.
Beep, 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 beep. Access suspended. Code orange. Code orange. Thank you.
Bon, là, c'est la porte. Thank you.
les hosties en bas, c'est clair. Bon, allez. Warning. Danger level orange. Unsafe toxicity level detected. Toute une partie, ça, mesdames et messieurs. Il fait déjà une heure
Ça passe très vite. Chorzu, Amiral Dimokas. Rise, rise, quoth Yalpa. There is no death for you. All right, mesdames et messieurs, ça va être ça pour la cinquième partie de Doom 3 à la difficulté vétéran. Sur ça, je vous dis merci d'avoir regardé la cinquième partie avec Gatcha et je vous dis passez une bonne soirée et surtout, keep on gaming!